Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce petit JT, on va dire, de début d'Odyssée, comme j'avais fait la dernière fois pour mon dernier épisode d'Odyssée. Donc voilà, on se retrouve et aujourd'hui on m'a piqué mon camion. C'est un connard qui s'appelle King Kong Simulator. Vous allez l'en trouver en direct en duplex tout à l'heure, tout de suite plutôt. Donc à tout de suite, ciao. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, une série d'épisodes sur Euro Truck 2. D'ailleurs, je pense qu'on va couper en plein milieu parce que la batterie est morte. Donc, on verra après. Donc voilà, on est parti pour une série exceptionnelle, on va dire. Appuie sur F6. Donc voilà, on va de... là, on est au Caire, en Égypte, si vous ne le savez pas. Si, je crois que c'est la capitale, le Caire. Ouais, c'est ça. Donc on va du Caire en Égypte, qui ressemble beaucoup à Lyon, mais c'est pas grave, jusqu'au Caire en France. À Calais en France, comme vous le voyez sur l'affiche. Donc là, appuie sur F3. F3 encore. Voilà. Donc là, on va... Donc là, tu dois aller à droite. Donc là, on va faire un peu les petits coréens, en gros. Comme dans Taxi, hein. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure dans le petit JT que j'ai fait. J'en ferai peut-être à chaque épisode. Je sais pas ce que mon confrère en pense. Je pense que ça donnerait un petit plus que je n'ai pas donné à l'épisode précédent et qui pourrait être sympa. Donc en gros, ce que j'appelle le coréen, c'est le coup du coréen, je sais pas si vous l'avez vu, Taxi 1, il me semble, c'est vrai, c'est dans Taxi 1. Quand Sami Nasri et... comment il s'appelle, et Adrien, qui font une planque devant un garage, je crois. Et... ouais, c'est avec le gang des Mercedes, ouais. Et qu'ils voient un taxi et qu'il y en a un dans le coffre et un qui conduit, en fait. Mais c'est pour les taxis, donc voilà, vous comprenez. Je sais pas pour ceux qui ont vu donc on va faire à peu près ça, à peu près un épisode chacun. On verra, c'est peut-être que j'en ferai un petit peu plus que King Kong Simulator. D'ailleurs, c'est la première fois que vous le voyez autant que ça, je pense. D'habitude, il est que 2 minutes en fin de vidéo et puis là, il a décidé de passer le cap, ouais. Parce que ces vidéos sont pourries, surtout avec mon vieux PC. Oui, mais bon, c'est pareil, même temps avec ton nouveau, c'est pareil, il faut juste savoir faire des vidéos, c'est tout. Après, donc on va on va aller à Calais en France. Qu'est-ce qu'on fait à Calais? Enfin, on part en... ouais, qu'est-ce qu'il y a à Calais? À Calais, il y a, je crois qu'on on fait des fruits de mer à Calais. Bon, on sait qu'on peut partir en Angleterre, c'est une chose. Il y a le bateau pour aller à Calais. Ben, en Angleterre, à Dover. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Calais? Bon, voilà, on va pas chercher plus que ça. Tu pourrais mettre tes feux quand même, hein. Il y avait déjà des feux. Ah bon? Non, tu les avais pas. Ah bon, t'as pas des feux. Peut-être que tu peux appuyer sur 5, ça fait la même chose. Donc voilà, j'espère aussi que les musiques, c'est des musiques toutes neuves, qui vont un peu avec le thème, à peu près,
à peu près de cette série, on va dire, de cette série d'épisodes, comme j'avais essayé de faire. Toucher la souris. Oui. Sur la première saison, on va dire, on va appeler ça une saison, voilà, c'est bien, de l'Odyssée, j'avais essayé de mettre des chansons qui mettaient un peu la presse, on va dire. Je sais pas si c'est ça. Donc ça donnait quelque chose de pas terrible, terrible. Parce que j'avais des droits d'auteur dessus et tout. Et ça rendait pas quelque chose de terrible. Regardez-moi ce gland qui conduit. Je continue votre plan, en tout cas. Alors ça reste à prouver. On verra quand on arrivera à Calais. Ouais. Je vais parler pour Garret. Non, en termes de pognon. D'accord. Parce que je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup d'argent en arrivant à Calais. Comme j'ai fait pour la première saison. Parce que quand même, c'est vrai que pour la première saison, c'était un échec cuisant. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as même pas vu la fin? Moi, et j'ai vu la trop plupart. Je t'ai dit. J'ai vu la plupart. Voilà. Donc, voilà, en gros, la première saison était un échec cuisant grâce à moi. Comment je voulais dire ça? Parce que on n'a pas gagné un rond, voilà. Mais là, j'ai décidé que vu que là, pour cette saison-là, on a le temps, on n'est pas pressé. Donc, j'ai décidé pour éviter d'avoir des accidents, pour éviter de me prendre des amendes à perte de vue, etc. Il m'a invité, tout simplement. Non. J'ai décidé de mettre le limitateur de vitesse pour pouvoir éviter tout accident et tout débordement trop qui fasse trop de dégâts. Voilà. Donc voilà, après n'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Si vous... Après vous voudriez en voir un autre plus tard. Parce que là c'est vrai que là bon on est encore. Ben, moi en tout cas je suis encore en expansion, on va dire. Je continue un peu à évoluer. Peut-être que tu peux doubler. J'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Ah bon? Parce que freiner, accélérer, pour toi c'est normal. Ça, je freine même pas. Ouais, c'est ça, je t'ai vu presser la pédale de frein plus d'une fois déjà. Hein. Là, t'as même pas fait 100 km. Donc voilà. Après, voilà, donc on va se faire ce petit convoi. J'espère peut-être que, je sais pas, on ira peut-être jusqu'à l'endroit où on doit prendre le bateau et après on arrêtera là. Tu vois un peu? Tu veux qu'en gros tu vas faire ta terre natale et puis même pas que tu dises pas vraiment ta terre natale. Mais après on arrêtera là et on reprendra la prochaine fois. Donc voilà. Et donc c'est vrai que pour moi je trouve ça très très bien. Ce style. En fait c'est vrai qu'au début ça me semblait. J'aimais pas trop en fait. Avant de commencer le premier Odyssée, de faire des trop longs trajets. Et c'est vrai que de le faire comme ça en coupé et en vidéo, je trouve ça un peu plus intéressant. Donc là, je vais expérimenter autre chose avec le singe ici présent. Et moi, c'est toi le singe. Et en plus de voilà, comment dire, en gros de couper encore plus la conduite que ce qu'il y avait avant. Bah ouais, mais excuse-moi, j'ai pas non plus un ordi de compète. Hein. Donc voilà. Après, on va essayer de faire grandir la chaîne doucement. Moi, je vais essayer de faire grandir. Après, lui fera grandir la sienne. Hein, chacun son bord. Voilà. Peut-être que je l'aiderai aussi à faire grandir la sienne. D'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire, dans le fond. Parce que... en faisant des vidéos avec moi, ça lui fait un peu de pub, on va dire. Même si ça fait pas tant de pub parce que j'ai pas tant d'abonnés non plus. T'en as plus que moi. Oui, mais moi ça fait un an et 4 mois et demi que je suis sur YouTube. Donc voilà. Donc franchement, si vous aimez les vidéos comme ça, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Un petit commentaire ou de vous abonner pour suivre les autres épisodes qui viendront après. Ou
ou qui sont déjà venus, ça dépend comment vous regardez les épisodes. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de les regarder demain, ou après-demain, ou après-après-demain. Vous les regardez dans un an, et il y aura déjà toute la série. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que moi, franchement, j'adore faire les épisodes comme ça, de Euro Truck 2, bien, de comme ça. Et après, on verra quand j'aurai la fibre, qui devrait pas tarder à arriver, faire plus, un peu plus d'épisodes en multi, et même peut-être voir avec ce singe à faire des épisodes en multi avec cet idiot. Et de ça, singe. C'est toi. Et on verra. On fera des petits convois Paris-Calais, des trucs comme ça, des petits convois en vidéo. Lui, il fera peut-être de son côté, et puis moi, je ferai du mien. On fera un truc plutôt pas mal. Après, si vous voulez venir nous rejoindre, on est, ben moi en tout cas, je suis disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Google+. Bon, ça fait un peu moins stylé, mais bon, ça le fait quand même. Donc Google+, c'est, quoi déjà. C'est bien, c'est, je sais pas trop comment on dit. Bah voilà, en gros, c'est hashtag MM Simulator ou hashtag. Donc voilà, après vous avez pas mal de choses. Voilà, je suis partout, je suis de partout vraiment. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as mis le plafard? C'est que c'est là les plafards. Voilà, donc je suis sur toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est MM Simulator tout simple, tout collé. Parce qu'en fait, en gros, j'ai un compte et une page. Et la page c'est tout collé. Après sur Twitter, je crois que c'est, ça se dit comme ça, hein, hashtag MM Simulator tout simple. Et sur ou à moins que ce soit sur Google+. Bon, vous voyez, en bref, je vais pas vous faire de dessin, vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'en gros chaque réseau social a son dialecte, on va dire. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre parfois. Mais bon, on va là, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on doit y traverser de nuit, mais bon, voilà. On devait faire comme ça au début. Je pensais faire Caire Casablanca, mais j'ai pas eu le bon convoi, et puis j'avais pas envie de retourner à Sheffield, donc je suis parti pour la France. Et cette phrase me fait penser à un film qui est sorti il y a un an ou un an et demi avec Michael Youn et José Garcia. Je sais pas si vous avez reconnu par rapport à ce que je vous ai dit, mais ce film, il est extraordinaire. Donc pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Vive la France. C'est un jeu, un film très bien avec Michael Youn et José Garcia. Après, il y en a 2-3 autres qui sont assez connus. Donc voilà, je crois qu'en plus, la fille qui joue dedans, si je ne me trompe pas, c'est sa femme, qui a joué dans plusieurs de ses films. Michael Youn, hein, bien sûr, pas José Garcia. Et donc voilà, franchement, la première fois, il est super bien. Vous allez vouloir le revoir 50 fois, et puis au bout de 3 fois, il va vous lasser. Mais bon, il est très bien, il a de bonnes répliques. C'est vraiment un très très bon film. Vous allez bien vous marrer, donc conseille de regarder ce film, il est drôle. Voilà. Bon, moi je prends un petit coup. Donc c'est vrai, ça va, t'arrives à tenir le cap? Sud-sud-ouest, après. Ah, tu vas à l'ouest. Ah non, tu vas au nord là, pour l'instant. C'est vrai que n'empêche, ça va être long pour arriver jusque là-bas. Parce que là, tu remontes jusqu'à Alexandrie. Après Alexandrie, tu remontes à l'est. Ouais, bah pas du Claude François non plus, quoi. Donc là, ouais, après, une fois Alexandrie, tu vas aller à l'est. Non, à l'ouest. L'est de l'autre côté. Et après, tu vas prendre le bateau et tu t'en veux. Ouais, tu t'en veux pas avec un bateau. Eh oui. C'est vrai que là, franchement, je fais pas mal d'allusions à certains films. Ou
série. Parce que là, par exemple, le bateau volant, ça me fait penser à Doctor Who, dans un épisode où, c'était Doctor Who, mais je me rappelle plus trop de l'épisode. Tout ce que je me rappelle, c'était une réplique du bateau du Titanic, en gros, qui était dans les airs qui volaient, quoi. Littéralement, ça pouvait pas... C'était pas autre chose, c'était vraiment le Titanic volant, on va dire. Et je sais plus, il devait sauver, je sais plus par rapport à quoi. Mais il devait sauver tout le monde, et puis à la fin, il est arrivé. Donc voilà. C'est vraiment aussi une série que j'adore. Et franchement, que voilà. Franchement, ça avance plutôt bien. J'aime bien, franchement. Même l'aspect, en fait, science-fiction qui donne dedans est plutôt quand même assez réaliste. Assez, je sais pas comment on peut dire ça, c'est franchement je félicite les gens qui travaillent dessus, parce que c'est vrai qu'il y a vachement de boulot de fait en termes de montage, tournage, etc. C'est vraiment même si au fil des années ça devient plus simple, franchement depuis 50 ans cette série, et même plus maintenant, ça doit faire 52 ans que cette série elle dure, et franchement même en 52 ans elle a rien perdu de sa splendide. Franchement c'est vraiment exceptionnel. Donc en ce moment c'est peut-être la fin, j'en sais rien, mais je crois normalement qu'ils ont déjà tourné la saison 9, je pense. Après c'est un avis personnel, ils ont déjà tourné la saison 9 et en gros t'es déjà arrivé où? Non, t'es pas encore arrivé, là, t'es à Alexandrie, là t'es vers Alexandrie. Donc voilà, on arrive près d'Alexandrie. Et ce que je veux dire, c'est que... comment ça s'appelle? Putain, je sais plus ce que je veux dire. Voilà, en gros, Doctor Who, c'est vraiment une série qui... Ça fait pas très très longtemps que je connais la série, mais elle m'a quand même plus ou moins bien plu. Et voilà, en gros, pardon. J'ai un peu de mon dîner de midi qui remonte. Ça doit être le jambon daubé. Comment dire ? Voilà, c'est vraiment une série très très bien. Donc voilà, qui passe le vendredi à 20h50 sur France 4. Donc je fais pas mal de pubs quand même. Hein. Ouais, pour les autres. Non mais c'est vrai que c'est une bonne série que je kiffe quand même. C'est d'ailleurs, je l'ai montré parce que j'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait pas mal de vidéos avec des skins finalement. Et je trouve que c'était plutôt pas mal. Voilà, plutôt pas mal. Assez divertissant on va dire. Ça peut montrer à des personnes pas forcément qui connaissent pas forcément les choses que j'aime bien. Que... qui pourrait leur plaire. En gros c'est diversifiant et en même temps voilà, c'est, on s'amuse et on se diversifie, enfin, on voit si on apprécie ou pas et tout. C'est voilà, c'est ce que je veux dire. C'est vrai que même celle-là elle est plutôt pas mal. C'est vrai que le dommage c'est d'aller dans le désert en pleine nuit, c'est pas top top. Qu'est-ce que t'as dit? Bah moi ça m'étonne pas. Ça m'impressionne pas là. En fait pour moi c'est normal. Parce que tu vois en fait c'est là que j'ai pris les photos, c'est avec la mer et le bateau derrière. Ouais. Mais sauf que là c'est dans le noir, tu vois rien. Ben, c'est là ou pas loin quoi. Voilà, on est arrivé à Alexandrie. Là il va falloir que tu tournes à droite. Ça. Et fais gaffe, je crois qu'il y a une voiture. T'as de la chance que j'ai de l'argent et t'as ni de l'argent ni des dégâts. Putain, t'as fait de la chance. Hein. T'as eu de la chance mon petit. Donc voilà, après je sais pas sur quoi je reprendrai après. J'ai peut-être essayé de me faire une nouvelle série sur un jeu, je sais pas si je vous le dis ou pas. Je te l'ai déjà dit de toute façon toi. Ouais. Mais je sais pas si je vous le dis à vous. Ça pourrait être. C'est un jeu, on va dire. Je vais vous dire en gros ce que c'est. Pour moi, c'est un jeu qui cache bien son jeu parce que en fait en manette. Il ressemble à peu près à tous ses confrères, à toutes les séries, les autres séries, mais au volant,
je vous jure que c'est limite. Fast and Furious. Non, yo. Au volant, c'est limite un Grand Turismo. Alors, en gros, c'est un jeu de voiture, parce que j'adore les voitures. C'est une de mes activités préférées, en gros. On va dire. Là, j'adore l'automobile dans toute sa splendeur. Hein. Donc, j'aime admirer les voitures ou les conduire. C'est vraiment ce que j'adore le plus. Et je crois qu'il faudrait que tu mettes le frein à main. Je t'ai dit de mettre le frein à main, t'es tellement con, t'as tapé de partout. J'ai pas eu de dégâts, évidemment. Oui, t'as eu des chances. Putain, qu'est-ce que t'as fait, toi? donc voilà, c'est une série qui ressemble beaucoup, parce qu'en gros, c'est. Là, je vous reparle des jeux, en gros, c'est un jeu qui est sur PS2, PlayStation 2, bien sûr. Donc si j'arrive à avoir ce qu'il me faut, si j'arrive à avoir ce qu'il me faut pour démarrer comme il faut, je vais me, je vais essayer de faire cette série du début au moins jusqu'à la fin, peut-être pas forcément à 100%. Pour l'instant, j'ai refait une partie moi en solo. Qui se débrouillait plus ou moins bien. Tu sais qu'il faut accélérer maintenant. Ah oui, il y a la voiture devant. Je pense qu'il faut que tu t'en décolles. C'est bon là-bas. Donc voilà. Donc faut vraiment. N'hésitez pas peut-être à me poser des questions dessus si vous voulez. Mais en gros, c'est une série déjà de jeux que j'adore, que je trouve très bien. J'ai une bonne partie de collection de jeux de cette série. Après, le fait que j'ai pas ni la Xbox 360 ni la PS3 fait aussi que ma série n'a pas pu évoluer avec le temps. Mais là, la Xbox 360, de toute façon, je l'ai, il reste avec le câble. Quoi ? La Xbox 360. Oui, mais j'ai pas de jeu, moi. Ouais, bah alors, faut bien l'acheter, ça vient. Mais il y en a plusieurs. En gros, tu vois, je fais à la collection, on va dire, de ces jeux-là. D'ailleurs, tu m'en as pas rendu un. Donc, voilà. Et après, sur. C'est vrai que ce jeu, il est très très bien. Et il est sur PS2. Je crois qu'il est aussi sur 360. J'en suis pas sûr. Pas sûr du tout, même. Mais en tout cas, s'il est sur 360, il est vraiment. Au volant, il est. Ah, mais tout simplement exceptionnel. Je vous montrerai, je vous ferai une série dessus, une carrière suivie. En gros, c'est. Putain, j'ai pas envie de vous le dire. J'ai envie, mais j'ai pas envie en fait. Tu vois, c'est titillé. Tu vois, je suis cassé à l'intérieur. Tu vois, je sais pas trop. Mais qu'est-ce que. Voilà, en gros, c'est ça. J'ai envie, mais. De vous le dire, mais je vais pas vous le dire. Voilà. Et pourtant, Dieu sait. Ah voilà, on est déjà arrivé au. Attends, on est déjà arrivé là? Non. On est déjà ok là? Là, je pense. Ah bah, ça a l'air. 22 minutes. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, 22 minutes, c'est pas bien. Donc, ouais, je vous le dis pas, c'est un bon jeu de voiture. Ouais, c'est ça. C'est un bon jeu de voiture. Ça vous plaira si vous aimez. Style de jeu à l'origine, on va dire que c'est un style de jeu plutôt voiture branchée, on va dire, je sais pas comment vous dire ça, illégal, on va dire, voilà. Et là, je vous donne vraiment un gros indice parce qu'il y en a pas tant des jeux comme ça, il y en a pas tant de séries de jeux dans ce style là et franchement celui-là, c'est là, juste à ta droite là. Ah, à la droite. Là, je crois. Tu crois ou t'es sûr? Oui, c'est là. Mais tourne! Donc voilà, finalement, je vais même pas avoir besoin. Je vais la mettre à charger, mais. Je sais pas si t'es pas là. Sérieux? Bah, tu vois pas qu'il y a la barrière? Mets-toi en vue 2. Ça doit être un peu plus loin.
C'est vrai que j'avais fait la même connerie la dernière fois. J'avais fait exactement la même connerie. Ouais, mais là, c'est pas toi. Je la connais pas. Mais moi non plus, je la connais pas bien. Ça a fait un bout de temps que j'y suis pas allé du. En plus, tu t'es pris la voiture de derrière. Je m'en fous, j'ai pas reçu d'abord. Donc, là, voilà, c'est... tu l'as eu. Ah, là, c'est normal. J'ai 4 plats. Mais je sais pas où c'est. Tu l'as passé? Non, je pense pas. Je pense que c'est de au fond. Ah, ouais, ouais, t'as le truc du quai. Bah, alors, oui, c'est de au fond là-bas. Donc, voilà, là, on est un peu perdu dans ce truc. Donc, c'est. Voilà, c'est. Je vais pas vous en parler plus. Mais dès que j'ai ce qu'il faut, si j'ai ce qu'il faut, on va se faire une petite série dessus. C'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Que j'ai vraiment envie de vous faire en vidéo et vraiment voilà en gros et puis là en plus on a un joli petit camion, c'est un Peterbilt, tout ce qu'il y a de plus sympa. J'ai voulu prendre celui-là parce que je crois que c'était la dernière fois, ma dernière vidéo que j'ai faite sur au truck juste avant. Putain, voilà hein, vous avez rien vu de dégâts? Ouais, je sais. Pff, les roues. Dégager la voiture. Là, t'as même pas besoin de la faire dégager, hein, franchement. Là, tu ravances et tu tournes complètement à gauche, à droite. Et tu passes. Bon, ah, mais passe pourquoi pas. Tu passes pas? Ah ouais, c'est les arrières actions. Bon, voilà. Donc après, moi, je vous dis, franchement, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. J'espère que la caméra dure assez longtemps. Ah, mais tu tournes quand même de temps en temps. Hein. Parce que des fois, je sais pas. Tourner, c'est donc voilà, on va pourquoi ça doit être chaud? Tu forces un peu, il y a 600 chevaux là dedans. Mais où tu vas, putain? Mais oh, tu vois pas le panneau? Prends du côté du panneau, bordel! Gros blaireau, il va nous niquer le camion à 100%. Ça, on a compris. On verra les dégâts en vidéo parce que là, ça se peut, je sens que ça a fait un gros fade comme la dernière fois. Non, fade. Si, fade. Un gros zéro, mon gars. Zéro expérience et zéro argent. Même si je cours pas après, c'est pas pour l'instant le pire. Mais bon, voilà. En gros, on va se quitter là. Voilà. On se retrouvera soit en Italie, soit en France. Je sais plus où c'est qu'on doit aller. Je crois que c'est en Italie, il me semble. Il me semble que c'est en Italie. Donc on se retrouvera la semaine prochaine en Italie. Donc on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!